Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un PDF de la boutique jimagines.fr qui vous permettra de travailler toutes sortes de petits objectifs en début ou en fin de séance grâce à des tableaux à double entrée avec vos patients. Vous avez donc différentes fiches, il y en a 15 au total et elles vont toutes vous permettre de travailler un objectif différent. Donc on va par exemple ici avoir de l'affluence catégorielle avec différentes catégories, donc par exemple des plantes, des animaux, des aliments, des vêtements, etc. Vous en avez une deuxième avec d'autres thèmes. Vous avez ensuite une particulièrement sur des objets, donc par exemple on va trouver des objets bleus, des objets en bois, des objets inutiles, des objets de protection, des objets lumineux, etc. Idem avec les animaux, les aliments, les vêtements. Ensuite, on passe au verbe. Donc, par exemple, trouver des synonymes de se promener, des synonymes de dire, des synonymes de gagner, etc. Pareil avec les adjectifs, trouver des synonymes de certains adjectifs. Ensuite, on passe sur les syllabes, donc en conscience phonologique. Des mots, par exemple, qui débutent par « pou », par « ta », qui ont 4 syllabes, qui ont 2 syllabes, qui terminent par « ri », etc. Ensuite, on est sur les sons, donc des mots qui contiennent 3 sons, 5 sons, 7 sons, qui terminent par le son R, qui contiennent tel son, etc. On a les rimes, donc des mots qui riment avec, et puis vous avez à chaque fois un mot, évidemment. Des particularités orthographiques, donc le son O, par exemple, s'écrit O-E-A-U. Des préfixes, donc trouver des mots qui débutent par anti, par dé, par extra. Des mots qui débutent par re, co, ex, etc. Et ensuite, vous en avez un vierge que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Pour jouer, c'est très simple. Vous allez prendre 2 dés, des jetons de 2 couleurs différentes. Une couleur par patient. Vous allez donc ensuite lancer les dés, donc par exemple 4 et 6. Donc vous prenez dans le sens que vous souhaitez. Les deux sens peuvent également être regardés si jamais la place est déjà prise. Et donc par exemple 4 et 6, je dois trouver ici des instruments. Vous pouvez bien sûr lancer un autre dé pour savoir combien d'instruments le patient doit trouver ou alors il n'en trouve qu'un tout simplement, ça c'est vraiment à vous de voir. Vous avez ensuite deux façons de jouer pour déterminer le gagnant. Soit le but c'est aligner ses gagnés où le patient va devoir aligner par exemple 3, 4 voire 5 jetons en fonction de la durée de la partie. Ou alors tout simplement chaque joueur a par exemple 10 jetons, 15 jetons, 20 jetons. Et à chaque fois que vous allez tomber sur une case, il faudra lancer le dé pour savoir combien de bonnes réponses vous devez donner dans la mesure du possible. On comptabilise toutes les réponses données. Donc si par exemple il faut en donner 5 mais que le patient en trouve que 3, ben on compte 3 points. Et à la fin, quand tous les jetons sont posés sur le tableau, le gagnant sera donc celui qui aura donné le plus de bonnes réponses pendant toute la partie et donc sur l'utilisation de tous ces jetons. Le petit côté ludique évidemment à la fin, on rattrape tous les petits jetons avec la tapette aimantée et le tour est joué. Voici donc pour la présentation de ce PDF qui j'espère sincèrement vous plaira et je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation de matériel.